Regardez, je la trouvais belle. Voyez-vous cette petite coiffure? C'est cute. Me sens coquine, coquette. C'est possiblement la vidéo la plus humiliante qu'on aura fait. Allô tout le monde! Salut! Team Rose! Eh oui, hein? On dirait qu'on a la même inspiration. Christine a osé. J'avais envie d'un petit peu de folie pour l'automne. Quittez-vous pas, ça va partir vite. Je vais redevenir blonde rapidement, mais des fois c'est le fun. Et t'es pas folle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale qui va nous dévoiler sous tous nos angles. Ben, on s'est déjà mis en maillot sur cette chaîne, fait que ça va, y a plus rien à cacher, ben. Mais ça fait longtemps qu'on veut la faire, puis on a attendu après nos articles pendant longtemps. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va essayer toutes sortes de rehausseurs de silhouette. On a un paquet de stocks de différents endroits, différentes boutiques en ligne ou plateformes de vente. Ça promet. Oui, puis notre but aujourd'hui, c'est pas de faire de la publicité à ce genre de truc-là, parce qu'on n'est pas des filles qui portent des gaines, vraiment. On n'est pas vraiment pour ça. Tant mieux si ça te fait sentir bien puis t'en portes, mais se serrer le ventre pour peut-être paraître une taille de moins, c'est pas vraiment notre genre. Oh no! On est 100% pour le confort, puis ça, en tout cas, à les regarder comme ça, ça m'inspire pas tant le confort. Mais on est ouverte à être surprise. Peut-être qu'on pourra plus jamais s'en passer. On sait pas. Yeah. On est ouverte. Je pense que l'étape numéro 1, ce serait de déballer tous ces présents qu'on s'est fait. V'là plus d'un mois, là. Ouais, ça en fait presque deux, là, le temps que tous les articles soient arrivés. Ça a été long, mais on a commandé sur des affaires comme Wish. Vous savez ce qu'on en... Ben, surtout ce que moi, j'en pense. Je pense que toi, t'aimes ça un peu. Ben, ça n'est pas pourquoi, là. Moi, j'ai quelques achats que je fais sur Wish, là. Mais, tu sais, j'irai pas me lancer dans les... Justement, tu sais, des vêtements et tout ça. C'est toujours un peu risqué. Oui. Je pense qu'on va commencer par Wish. Ouais. On a plusieurs achats qui viennent de là. Le premier que je vois, c'est les fameux soutiens-gorge. Tu sais, lacets, là. Bon. Premièrement, c'est autocollant. Il y a une chance qu'on n'a pas fait cette vidéo pendant la canicule, hein? Ça aurait jamais collé. Jamais. Même là, je suis pas convaincue. Donc là, tu colles ça sur tes seins et après ça, tu serres le cordon pour comme te faire un décolleté. Mais là, c'est-tu moi où la place pour le mamelon et l'aréole est pas très grande? Non. Ça a pas été fait pour des filles qui ont eu des enfants. Je te confirme, pas besoin d'avoir un enfant pour avoir des auréoles plus grands que ça. On peut-tu se parler de... C'est vraiment des lacets, là. Comme sur ton manteau de skidoo quand t'avais 5 ans, là, tu sais, ton... Je sais pas si c'est censé coller ça peut être... Ouais. Ça va te rentrer dans le pli de peau, ça, mon ami, ça sera pas long. Là, t'enlèves ça, pis c'est... Oh... Mais fais pas ça tout de suite! Oh... Ça a l'air à coller. Mais enlève-le pas tout de suite pour lui donner toutes les chances. Je dois dire que vous l'avez peut-être vu dans un des vlogs, on a eu la chance de participer à un super beau projet avec une boutique de lingerie, puis on a eu le droit à un ajustement, ce que je n'avais pas fait ever, je pense. Puis on avait déjà commandé ces choses-là avant de savoir que c'était pas la bonne taille, mais anyway, il n'y avait pas plus grand que D. Ouais, le maximum c'était D, puis on s'entend que c'est un petit D. Comme, je pense que c'est fait pour être la moitié du sein seulement, genre pour exposer les goodies. C'est pas le genre de dessous que je porte habituellement. On va voir. Deuxième item de notre cher Wish, c'est pour le bottom. Pour tes foufounes, ok? Je te laisse. Je vais te dire, les grosses cibles dans ce genre de sous-vêtements, c'est amincir le ventre, grossir les seins, le décolleté, puis grossir les fesses. C'est pas mal ça le thème, là. Fait qu'on est là-dedans. Ben oui. Puis aussi, faut dire qu'on avait un peu moins de choix, parce que pour le taille plus, il y en avait beaucoup moins. C'est-tu pas un peu niaiseux, ça? C'est un peu niaiseux. Ouais, mais c'est bien connu, les grosses, on est juste comme dans le mou, là. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On veut aucun rehaussement de silhouette. No! Mais ils ont pas tort! Alors, c'est un cuissard avec une gaine et des trous pour les foufounes! Fait que t'as la fouf à l'air. T'es-tu en train de te dire comment on va faire pour rentrer là-dedans? On a commandé selon la charte des grandeurs. On a commandé du 3X large qui était supposé nous compte. Je comprends que c'est une gaine, là. Si ça te maintient pas, ma fille, là. C'est à peu près l'équivalent de ma cuisse. C'est ça qui est cool. Là, faut que je rentre au complet dedans. Non, mais ça, là, ça, c'est pour ta fesse, là. Ouais. Une fesse, c'est ça. Oui, mais c'est comme ton... Je braille! C'est ta cheek, là, qui va faire un petit coucou, comme ça va la remonter. Restez! T'es bien!
niaiseuse! Je suis pas à l'aise. En tout cas, ok! Je serai bonne joueuse, je vais l'essayer. Même la petite dentelle, là! Mais comment tu gâches que la petite dentelle fait que c'est... Mais c'est ça. Exactement ce que je pensais! Elle est pas aussi stretch que le reste! Fait que ça va faire une belle ligne! Gars, tu l'as même pas essayé, arrête de business! Je suis déjà tannée. Moi, j'ai déjà chaud. Tantôt, essayer de rentrer là-dedans, c'est sûr que... Bon, ça marchera pas. C'est pas qui de nous deux aura le bonheur d'essayer ça, parce que je pense qu'on a juste un. Le budget nous a lâché, celle-là. Qui essaye les choses sur cette chaîne? Tout le temps moi, voilà. Donc ça, c'est un 6X large. Ah? Oh, ça pue. Hein? Check pour fermer, ils ont pris la tâche de brassière. Ah! Et encore là, il y a une espèce de design qui est censé rehausser tes foufounes. Dans le fond, c'est juste un bout de coton, là, comme des bobettes, là. Ouais, au lieu de du reste. Plutôt de compresser, ouais. Fait que c'est ça. On dirait un peu une petite salopette. C'est coquet. Moi, je le mettrais avec un chandail noir en dessous, là. Ok, avec un zipper qui, ma foi, devra travailler comme il a jamais travaillé de sa vie. Ah, il y a même des attaches en dedans. Beaucoup d'attaches. Et c'est de la compagnie. C'est de la compagnie. Ça, melon. Ils ont totalement volé mon idée pour le nom de ma future compagnie. Top melon! Ok! C'est des génies du marketing! Mais c'est des pingouins. C'est des pingouins avec une couronne. Fait qu'ils se sont un peu perdus, là, dans leur image de marque. Lost in translation. C'est ce qui fait le tour des items achetés sur Wish. Très prometteur. Le prochain, vous le voyez sûrement passer si vous êtes présent sur les réseaux sociaux parce que tout le monde, jusqu'à Kylie Jenner, fait leur promotion et c'est Fashion Nova. Fashion Nova, j'ai acheté deux fois là-dessus. Une fois, j'ai juste jamais eu mon paquet et j'ai dû me battre avec eux pour avoir mes sous. Puis j'ai même pas gagné avec eux. Il a fallu que je passe par ma carte de crédit, par ma compagnie de carte de crédit. Et la deuxième fois, super belle expérience, c'est arrivé rapidement, tout faisait bien, conforme aux grandeurs, blablabla. Fait que je dois dire que je suis un peu anxieuse d'ouvrir ça, mais si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que je suis pas mal anxieuse à n'importe quoi. Premier item, là, je me sentais très Hollywood. Oh, ok. Donc c'est comme une robe gainante, si on veut, pour pas avoir de démarcation en dessous de ta robe serrée, ce que je porte jamais, mais bon. Heavenly Fit, Your Secret. C'est doux. On sent déjà que la qualité est mieux, là. Ouais, c'est ça, c'est pas Wish. Mais c'est pas le gros luxe non plus. Non, c'est ça. Ok, puis c'est dans quel format tout ça? 3X. Ok. Bon, je sais déjà que j'ai pas assez de sein pour remplir ça, mais peut-être que ce sera toi alors. Je sais pas non plus, ça me semble petit. Ça me semble très bien. Next! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bon, c'est arrivé dans un sac, puis une boîte dans un sac à la poste, ça fait ça. Ok, c'est différent, mais c'est un peu le même principe, les deux. C'est les fameuses brassières en U, là, qui te faut si t'as une robe à décolleter, puis tu veux pas y aller free balls, comme on dit par chez nous. Si tu veux pas te taper à la Kim K non plus. Aussi. Donc la mienne, il y a un tour, puis la tienne, elle est autocollante. Ça me semble plutôt d'une mauvaise idée. Voilà. Ok, il y a comme un semi-tour autocollant. Hey, sais-tu à quoi ça me fait penser? À mon bal de finissant, là, j'avais ce genre de brassière parce que je pouvais pas avoir de dos puisque mon dos était lassé, là. Sauf que ça tenait pas. Fait que je me souviens avoir mis du tape rouge pour tenir à mon bal ma brassière. A fancy! Oui, c'était très fancy le soir quand je suis venue pour l'enlever. Mais je mettrais pas mon argent là-dessus. Non, mais il y a du collant dans le bonnet puis il y a du collant sur le bord. Hey, mais il va falloir que je... Tu comprends, là, le trouble? Peut-être que tu aurais plus de chance avec celle-là. Tu penses meilleur? Non, mais je pense que mes melons sont plus petits. Ils sont plus rapprochés? Ils sont pas plus rapprochés, mais ils sont plus petits. Ok! Oh! Gars, ça, c'est pas que ça déborde partout, là. Mais moi, j'ai de l'espoir pour celle-là, par exemple. Bon, mais gars, tant mieux. Tant mieux. Moi, c'est mollasse. T'as comme des poches pour mettre ton petit change. C'est pas pratique. Oh, dernier item. On en a chacune 5 paires. C'est juste des bonnets autocollants. Et ça, là, j'espère secrètement que ça va fonctionner. Il y a beaucoup de choses qui me lèvent des drapeaux, là. Premièrement, pas recommandé pour les femmes avec des peaux sensibles. C'est moi. Et présentement, vous le savez pas, mais je fais une réaction au visage. Fait que si vous voyez ma peau de près, il y a comme plein de petites bosses. Fait que, gars, pourquoi pas... Taper les boules avec ça. Mais t'auras une texture de peau uniforme. Mais tu sais, imagine si ça fonctionne, là. La liberté de porter des petites camis. T'aimes vivre dangereusement, là. Claire. Ce qui est pas mon cas. On a gardé le meilleur pour la fin, je pense.
tous nos espoirs se situent là-dedans. Là. Premièrement, ça c'est de Bubble Shapewear, qui est, je sais pas comment on est tombé là-dessus en fait. Oh! Je dois dire que j'ai déjà des choses qui ressemblent à ça. T'es je suis pas déplue au premier regard. Mais là, censé compresser ou... Ben je pense que oui, parce qu'il y a une certaine résistance. Ok, fait que Bubbles, comme le dit son nom, désire qu'on ait des bubble butts. Bubble butt. Donc ça, c'est l'élément de base. Et t'auras remarqué, Christine, qu'il y a des petites pochettes. Oui, pour le clou de la soirée. Je suis pas bien. Hey, c'est long! Pour les fesses de silicone. Oui, oui. Ça s'achète. T'ajoutes ça à ton poids? Ouais, c'est vraiment lourd. Là, mon appréhension, là, c'est qu'une fesse, pour eux, c'est ça. Ouais. Fait que là, ça, ma fesse, je suis censée rentrer un truc de silicone au complet là-dedans. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, là. Bénéfice du doute, là, on va l'essayer. Et si tu veux pas y aller dans le silicone... Les petits pads de mousse. Quand tu veux plus être légère. Ah ouais, pas le même poids du tout, hein. Mais c'est moins le fun à taper. Ouais, mais ça doit être le fun de s'asseoir là-dessus. Hey, je peux pas croire qu'on fait ça. Je le rentre en l'instant. Bon, ça fait juste une galette. J'ai-tu pas mis de mon bord? À la place d'avoir mes fesses plates, je vais avoir des fesses plates rapportées. C'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est sûr que les bobettes glissent, là. Ben, vu qu'on va être rentré de peine et de misère dedans, non, d'après moi, là. C'est tout. Ça conclut notre magasinage. Ouais. Donc là, il reste l'étape la plus importante, c'est-à-dire essayer tout ça. Êtes-vous prêts? Pas nous. Let's go. Ça, ça fait rien, je pense. Je parle de la super salopette. Ça fait rien, ça compresse rien, je suis même lousse, genre un peu des fesses, des cuisses, ça sert absolument rien. T'sais, j'ai peut-être pas de démarcation de bobette encore, c'est assez enfant. C'est à mon tour d'avoir la super salopette. Et même constat, tu sais, ça me soutient pas assez. Ça a rien fait, surtout le bas. Fait qu'à part rajouter une couche puis une bretelle vraiment laite, ça fait rien. Ah ouais, force! Ça monte pas passer mes hanches. J'ai la noire avec le lacet. Ce qui se passe, c'est que... C'est ça, mon brassard? Ouais. Fait que j'ai des démarcations. Ça me fait un semi décolleté, sauf que... C'est pendant un peu, là. Il y aurait de l'humidité qui se créerait en dessous, là. Tu sais, si t'as une plus petite poitrine, là, pour vrai, je pense que ça serait un succès si t'es capable de pas avoir de démarcation. Ça a l'air à tenir. Update, Vanessa? J'ai essayé d'enlever la brassière qui colle. Oui. Ça fait mal! Je pense que je voyais avec ça pour toute la vie. Oh non. Genre... Oh! Libérer le mamelon! C'est sûrement parce que t'es censée comme le porter pendant une journée, genre, fait que l'huile et la sueur, ça doit aider à l'enlever à la fin de la journée ou de la soirée. Oh. Pas deux minutes après l'avoir mis. Ah! Oh. Faut pas que tu te trompes, hein, quand tu le colles? Non! Faut que tu le colles vrai trou à la bonne place? Je suis pas sûre que je suis capable de le faire. C'est quoi ça? Why? Si vous en avez acheté déjà, là, pis vous avez eu une bonne expérience, dites-nous ça, parce qu'on comprend pas. Là, peut-être qu'avec ma petite poche, ça paraît pas trop, mais moi aussi, là, c'est genre... Ça se tient là, fait que ça fait des belles démarcations. Pis là, je l'ai élargi pour pouvoir le coller sensiblement à la bonne place. Fait que j'ai hâte de voir si ça va résister quand je vais le rapprocher avec le petit cordon. Ça, c'est élargi. Ça, c'est... rapprocher au plus près possible. Dans mon jeune temps, j'ai déjà porté la Senza, là. Ça faisait gros décolleté, là. Ça, c'est comme un peu pendant. Là, t'as genre... Ça te soutient de même, c'est pas que tu t'élargis les épaules, là. C'est pas que tu... Ça tire. Non, c'est quoi? Pourquoi? Non. T'es-tu censée, genre, enlever ça dans la douche? C'est sûr que c'est pas bon pour la petite peau mince, là. Ah! Hey, j'ai allaité dans ma vie un bébé qui commençait à avoir des dents, puis ça faisait même pas aussi mal. Allez,
veux-tu que je vienne t'aider? Donc j'ai mis la robe gaine. C'est comme ça qu'on appelle ça? En tout cas, l'affaire beige. À date, j'aime ça. Je me sens bien prise en charge. Ça soutient. J'ai eu de la misère à le mettre, là. Comme vous avez pu voir, j'ai eu de l'aide de Vanessa, mais j'aime pas ça. Peut-être que les bonnets sont un petit peu trop grands. Mais sinon, ça moule. Moment, on se fait démonétiser cette vidéo. J'ai ce qui est censé être la brassière là, pour décolleté plongeant de Fashion Nova. Puis, ben, c'est ça, ça rentre pas. Premièrement, la bande, ça me rentre au plus profond. Je peux pas vous montrer le décolleté, c'est indécent. Il y a rien de confortable là-dedans, là, présentement. Ça, c'est vraiment fait pour ramasser même le gras de dessous de bras, là, pour ramasser ça puis te pousser ça par en dedans. Mais comme il manque une partie de bonnet, là, j'ai les boules en fuite. Total. Alors, j'ai la fameuse brassière en U collante. Ça me fait regretter mon autre avec un lacet. Je m'en ennuie, là. Parce que c'est n'importe quoi. C'est supposé être ma taille. Ce n'est pas, newsflash. Puis ça colle pas vraiment bien. En fait, pas du tout. Ça colle sur les bonnets aussi, sauf que pas complètement. Fait que ça fait ça. Puis comme j'ai essayé de bien me placer, puis il n'y a rien à faire. Puis tu sais, t'es supposé porter ça avec des robes très, très, très décolletées parce que t'as pas d'attache jusque-là. Mais ça te fait aussi un flottement. Tu sais, parce qu'il n'y a pas de colle, là. Vite, je vais aller remettre l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas possible. Yeah. Tu verras si t'arrives à la même conclusion. Mais c'est que ces autocollants-là, c'est one size. Fait que je sais pas qui a jugé que ça allait fonctionner pour tout le monde. Les petites oreilles ici, là, c'est censé servir à remonter ton sein, mais dans mon cas, ça fonctionne pas. Ça a fini comme ça. J'ai installé les collants et je suis très surprise, mais ça tient, premièrement. C'est sûr que j'ai des un peu moins gros seins que Vanessa, fait que peut-être que ça aide, là. Je sens que ça remonte un peu puis que ça arrondit un peu le sein. Très peu, là. C'est presque comme avoir rien. Comme je serais prête à les réessayer, j'haïs pas ça. Je me sens libre, mais comme pas trop. Je l'ai pas collé bien, là. Genre, je suis un peu décentrée, mais... Révélation! J'ai des fesses! Attends, je vais zoomer. Je me twerk? Ça donne pas le talent. Je sais pas, je me vois pas complètement. Là. Je sens que c'est pas à la place de mes formes habituelles, mettons. Mais c'est vraiment le fun! Genre, je sais pas, là. Essaye de t'asseoir. Je les sens pas tant, parce que sont comme plus hautes un peu. J'ai du fun! Ça paraît-tu? Qu'est-ce que t'en dis? T'as l'air d'avoir des fesses, oh my god! C'est la seule gaine qu'on a essayé, puis c'est même pas une gaine. Tu comprends? Ça m'a squeezé ça, là, le bobine. Oh shit, ouais! J'ai l'impression aussi que j'ai les fesses dans le dos. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des fesses molles et plates. Puis là, sont comme... Hop! On regarde à vous. C'est moins le fun à taper. Je vais faire le test de m'asseoir. Effectivement. On s'assoit aucunement dessus parce qu'elles sont plus hautes. Oh! Je peux pas me relever. La bobette s'est mise à rouler. Fait que c'est ça. À part les petits plis disgracieux, c'est quand même... Ça fait ce que ça dit que ça va faire. Ouh! On a tout essayé. Ouais, c'était de la job. As-tu eu comme des illuminations? Mon illumination, c'est que je suis tellement mieux de rester avec mes bralettes puis mes bobettes de grand-mère. Très peu de belles découvertes. Ça l'a un peu confirmé ce qu'on pensait, mais moi j'ai quand même été surprise par quelques items, genre la robe.
gaine un peu, que je vais probablement reporter. Puis c'est sûr que je vais continuer à expérimenter avec les collants. Ah ouais, pas que ça? Ouais, juste parce que des fois j'ai des camisoles où est-ce que je peux vraiment pas mettre de bretelles puis qui sont un peu lousses. Puis les brassières pas de bretelles, souvent ça fait comme très... pis c'est pas super confortable, je trouve. Fait que je pense que je vais continuer à jouer avec ça. Pis... Ouais, il me semblait qu'il en manquait un! Celui avec lequel j'ai eu vraiment le plus de fun, vous l'avez vu, c'est les bobettes à silicone. Je pense pas remettre ça jamais de ma vie, mais c'est vraiment le fun. Elle a même envoyé une photo à Dou. De ses fausses fesses. Mais tu sais, c'est sûr qu'en leggings, c'est pas super beau, on voit toute la démarcation. Mais si c'était quelque chose qui me complexait, peut-être que j'oserais le faire, là, les mettre dans des jeans, par exemple, ou une robe, je sais pas. Mon côté, pour vrai, je pense que je risque de jamais reporter aucune option. Il y a rien là-dedans qui me tente. Beaucoup d'inconfort. Puis moi, j'ai pas essayé le silicone, fait que je pense que je vais l'essayer, mais j'ai essayé les mousses. Puis tu sais, c'était super léger, je le sentais même pas, là. Fait que ça, c'était cool. Mais sinon, très peu pour moi. C'est sûr qu'on n'est pas tombé dans les gaines, là, tu sais, presque corset, là. On tenait trop à notre respiration. Mais ce sera peut-être à voir dans une prochaine vidéo un jour. Qui sait? Tout est possible ici. On espère que ça vous aura éclairé si vous aussi vous receviez ce genre d'annonce-là sur votre fil Facebook, Instagram. On l'a fait pour vous. Tirez vos propres conclusions. Est-ce que vous avez des produits miraculeux à nous suggérer? Est-ce que vous ne jurez que par les Spanx? Ah, peut-être. Peut-être. On veut le savoir dans les commentaires. Peut-être qu'on fera une partie 2 de ce Gaine-moi le bide. J'adore ce titre. Gaine-moi le bide. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! T'as-tu encore ton silicone? Ben oui, c'est comme frais sur mes fesses. J'adore. Je suis en train de cramer. Et solo de silicone. C'est quoi ma papillon? C'est peut-être une décoration d'Halloween. La chambre des tortures.